Je suis content d'être chez vous et je vais vous présenter un spectacle qui s'appelle Un fou noir au pays des blancs. Voilà 10 ans que moi j'habite en Europe. Et depuis que j'habite en Belgique, tout le temps j'entends parler des gens qui viennent d'ailleurs. On les appelle les sans-papiers, les candidats réfugiés. Et on se pose beaucoup de questions à leur sujet. Qu'est-ce qu'il faut en faire de tous ces gens qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'il faut tous les régulariser? Est-ce qu'il faut ouvrir des centres pour les enfermer? Ou est-ce qu'il faut les renvoyer dans leur pays? C'est des questions qui sont à l'ordre du jour. Hein? Mais lorsque nous arrivons en Europe, comment les choses se passent pour nous? Mon baptême, je l'ai eu à Zaventem à l'aéroport. Hein? Au moment où j'ai pris l'avion chez moi, 40 degrés de température. Dans mon pays, quand il fait 20 degrés, on dit qu'il fait froid. J'arrive en Belgique, hein, moins 6 degrés. Et parfois, nous ne sommes pas bien en conséquence. Hein. J'avais tellement froid. Je me souviens avoir vu un enfant qui grelottait de froid, un enfant africain, et qui demandait à son père, « Papa, c'est toujours comme ça ici ?» Et le papa qui dit, « Oui, il part quand il paraît. » L'enfant qui dit, « Rentrons chez nous, papa, c'est pas bien ici. » Et le papa qui dit, « Mais chez nous, il y a la guerre. » Pendant ce temps, je vois un Européen qui marche à l'aise dans le froid. Et je lui demande, « Monsieur, c'est toujours comme ça ici, le climat ?» Et lui, il me dit, « Non, aujourd'hui, il fait doux. Aujourd'hui, il fait doux. » Et moi, je me dis, « En voilà un qui se moque de moi. » Et le jour où lui, il va dire qu'il fait froid, qu'est-ce que ça sera pour moi ? Oh là là ! Et ça, c'est pas grave. C'est le climat, il est pour tout le monde. Maintenant, j'observe pour sortir de l'aéroport. Qu'est-ce que je vois ? Deux files de gens. Et je vois que dans l'une des files, ça se passe bien. Les gens sont respectés, ils montent les passeports, ils sortent. Mais dans l'autre file, contrôle des papiers, bousculade, fouille dans la valise, interrogatoire. Et moi, je me dis deux files. Ici, des gens respectables et ici, des gens bousculables. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé du côté où ça se passait bien et j'ai fait la file. Voilà quelqu'un qui vient vers moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, j'ai fait la file, vous voyez bien. Il me dit, allez de l'autre côté. J'ai dit, non, hein, vous avez vu comment on se bouscule là-bas, je préfère, je suis déjà respectable. Et lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et là, je me regarde. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Un jour, dans une école, un élève m'a dit, monsieur, arrête d'exagérer. Vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensiez que vous étiez rouge.